C'est quoi ce flash là? Bonjour. Encore, vous devez vous dire, mais pourquoi il se filme? Qu'est-ce qu'il va faire encore comme vidéo de merde? Déjà, ça commence les yeux fermés. J'ai eu l'idée de faire... Je reproduis ma journée d'hier. Coucou. Ah! Tu m'as fait peur! Petit monstre! Je pue de la gueule ou quoi? Enfin, j'ai pas eu l'idée. J'ai vu ça plein de gens sur internet le faire, dont Delphine, Denizzi. Et du coup, je me suis dit, bah, c'est drôle, vas-y, on le fait. Mais en fait, une fois que je commence à filmer, je me dis, c'est nul à chier cette histoire, j'en ai déjà marre. En gros, je vais revivre la journée d'hier en inversé. Je vais commencer. J'ai pas compris. Attendez. Je vais commencer la journée en mode hier soir. Et la journée va se succéder pour arriver. On t'emmerde? Et la journée va se succéder pour arriver à hier matin. Vous voyez, on commence par hier soir. Déjà, hier soir, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai éteint la lumière, donc là, il faut que je l'allume. J'avais mon pyjama, donc il faut que je me mette en pyjama. Oui, j'essaie de comprendre. Là, je me lève hein, quand même, il est 8h du matin, je me lève. Hein. J'ai fait quoi? J'ai mis mon pyjama. Avant, j'ai enlevé mon pyjama, j'ai été faire pipi et je me suis brossé les chicots. Donc là, je vais aller me brosser les chicots alors que j'ai même pas déjeuné. Ah oui, mais je veux même pas des petits déj. Je vais manger mon repas là, après avoir vu le film. Parce qu'il y a le film aussi. Oh là là, c'est compliqué. Bon, on va faire étape par étape. Hein. Je mets mon pyjama. Voilà. Et je vais faire pipi. Ça, vous êtes pas obligé de me suivre jusqu'à là quand même. Where has she been, Serena? And who I am? That a secret I never tell. You know you love me. XOXO. Noltono. Heureusement que j'ai fait pipi avant de dormir. Parce que sinon là, j'aurais pas fait pipi. Et je me serais levé et j'aurais été dans la merde. J'aurais dû me retenir. J'ai fait pipi. Ben, on entend la chasse, hein. C'est très dégueulasse. Je vais me brosser les chicons. J'ai mal à la gorge. Je suis en train de tomber malade. Cette vidéo, elle va pas amener l'argent. Oh, je reviens. Je vais juste regarder ce que j'ai acheté. J'achète tout et n'importe quoi. J'ai acheté ça. Et tu fais ça. Et voilà. C'est pas génial. Franchement, on fait de ces trucs, c'est... Oh, tu fais peur à voir le matin, toi. Hein? La trentaine, elle arrive à grands pas. Pardon, c'est pas drôle. Après ça, j'ai fait quoi? J'ai mis mes produits pour la peau. Non, je me suis pas appliqué les produits pour la peau. C'était avant le film. Ah, je suis un porc, hein. Je me suis essuyé sur moi, là. Ben, c'est pas grave, hein. On fait tous des... Il y en a qui se décrottent le nez, qui les mangent. Pas moi. Voilà, chacun fait ce qu'il veut. Là, je fais quoi? Je vais manger? Non! Je me suis brossé les chicots et j'ai regardé un film. Donc là, il faut que je retourne au lit. Attendez, j'ai l'impression d'être KLXY. Ça tourne, là. Il y a de l'algèbre dans ma tête. Donc là, je retourne au lit. Je mets mon film d'hier. J'ai regardé quoi hier? Oh, mais c'est super. Là, je vais me rendormir parce devant le film. Oh, mais c'est génial. Pamela, on retourne au lit. Oh, mais là, mais c'est le rêve. Même là, je pue de la gueule. C'est du dentifrice. Arrête de me sentir, là. Tu me sens la bouche autant que tu sens le cul de tous les animaux que tu croises. Ah non, j'ai regardé un épisode de You, la nouvelle saison. Bon, ben, vas-y, on va mettre ça. Hein. Allez, on allume le vidéoprojecteur. Il s'allume pas. Nope. Ah, oula, il est un peu découpé, décalé, là, le vidéoprojecteur. Alors oui, c'est une construction approximative. Voilà. C'est penché quand même, hein. Voilà, j'ai mis Youf. Hein, pam, pam, tu fais peur à voir, hein. Il est beau quand même. C'est pour ça, ma psy me dirait, c'est normal que vous tombez sur des pervers narcissiques ou des cons. Vous êtes intéressé par les tarés. C'est vrai qu'il a quand même quoi. Vous, bande d'enculés, m'a envoyé cet extra. Ah oui, quand même. Il est un peu grossier, là, quand même. Hein. Non, il est beau. Il découpe quand même des gens, quand même. Ouais, non, là, c'est un peu l'excès. Là, je dirais à la psy, non, finalement, il est un peu trop tard. Elle me dirait, c'est bien, vous avez fait un effort. Vous vous rendez compte, quand même. Ça m'énerve, je peux pas regarder avec les lunettes, c'est chiant. Vous voyez, ça bouge, ça fait mal. Donc... Et du coup, là, je vois plus l'acteur alors qu'il est beau. Bouh! Je faisais semblant, je dormais pas. Voilà! Maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Ah! Avant d'aller me coucher et regarder l'épisode, j'ai mis mes produits de peau. Vous voyez venir, hein, le partenariat qui arrive à grands pas. Là, c'est le matin. Et dans ma tête, je dois être le soir. Donc là, je dois mettre mes produits du soir. Ok. Muito, muito complicado! Vous savez, je suis en partenariat depuis un petit moment avec Typologie. Alors, moi, le soir, ce que je fais avant de me coucher, c'est que j'utilise le gel nettoyant PHA 5% et aloe vera. Alors, je suis pas très raffinée. Hein. Moi, j'applique comme ça. C'est pour nettoyer la peau. Une fois que vous avez bien frotté, vous rincez abondamment. Ça va désincruster les pores, hisser le grain de peau. Ensuite, attendez, produit de soir. Hein. Donc, j'utilise le sérum apaisant à 9 ingrédients, celui-là. Je suis pas très délicat, moi. Celui-là, il convient pour les peaux grasses, pour les peaux sensibles, hein, pour tout type de peau. Ça va hydrater ta peau et apaiser tes rougeurs. Ensuite, je mets l'assemblage botanique à la pivoine. J'aime beaucoup l'odeur. J'aime bien l'odeur. Oh,
suis gênant. Oh. À l'appliquer avant d'aller dormir, ça va purifier et régénérer ta peau pendant le sommeil. Le matin, je mets la crème hydratante visage Zinc PCA. Ça aide à combattre les imperfections, c'est pas mal. Hein. Le acide alzélaïque 10% plus extrait de bambou. Il m'aide à réduire l'excès de sébum parce que moi, je sue comme une baraque à frites. Il y a deux nouveautés pour ce mois de février. C'est le masque visage AAA. 10% plus pH, 10%. Il va éliminer les cellules mortes pour désincruster les pores. Et vous avez aussi la crème de nuit. Elle va aider à resserrer les pores, à réduire la présence de points noirs et restaurer l'éclat de la peau. En fait, ça faisait depuis quelques temps que j'avais laissé tomber un petit peu mes routines soins du visage. Et en fait, je me suis retrouvée à avoir la peau toute rouge là. Mais du coup, j'en ai parlé à l'équipe de typologie. Ils m'ont dit d'aller faire le diagnostic sur le site internet. Diagnostic de peau. Je l'ai fait. Et du coup, comme vous pouvez voir par rapport à la photo, ça a nettement changé parce que tout simplement, le diagnostic, c'est pas trompé. Bien entendu, attendez, je suis le Père Noël, moi, toute l'année. J'ai une offre à vous proposer. En fait, vous allez, dès 45€ d'achat, avoir la crème hydratante corps à 10 ingrédients offerte. Donc, pour bénéficier de tout ça, vous avez juste à cliquer sur un de mes liens, là, dans ma barre d'infos. On a mis les produits pour la peau. On est frais comme un gardon. Qu'est-ce que j'ai fait ensuite? Mes copines, elles sont venues manger tard. On a mangé un petit McDo. Oui, je sais, vous devez vous dire, mais mange tout un McDo. Mais là, vraiment, il était petit. J'ai mangé un petit wrap et 6 nuggets. Et une glace, quand même. Ah oui. Non, mais alors, ça veut dire que là, je vais manger à 9h. À il est quelle heure? Il est 10h. À 10h, je vais manger une McDo, là? J'ai pas faim. J'aimerais déjeuner, mais j'ai pas envie de manger des nuggets, un petit wrap, là. Donc, il faut que j'aille me changer d'ab... Non, je peux pas me changer. Faut que je le fasse en inversé. Je dois y aller en pyjama, du coup. Attendez. Ah là là, je comprends rien. Là, le truc inversé, là. Là, c'est mon cerveau qui est inversé, mais il est bancal toute l'année. Donc là, il faut que j'aille chercher un McDo en pyjama parce que je me suis changée avant. Donc là, je me change après. Et le McDo, je dois le manger aussi en sans inverse. Je vais commencer par la McFlurry. Oh là là, j'ai mangé une glace à 10h du... Je comprends rien. Moi, je suis pas Franklin la tortue, hein. J'ai du mal à fermer lassé, il y a compté deux par deux. Mais il est 10h du matin, ils font des nuggets au McDo à 10h du matin. Mais ils vont se dire, il est taré. Voilà. Heureusement que j'ai pas mangé un gros McDo hier parce que deux McDo d'affilée, là j'étais un bibendum à la fin de la journée. Hein. Bon, on y va. Y a personne. Il y a personne au drive. Tu m'étonnes. Hein. Qui est le con qui va manger à 10h du matin un McDo? Quoique le petit déj aussi. Je suis en pyjama, j'avais oublié. Oh, ils vont se dire, mais qui c'est ce con encore? J'ai honte. Je sais même pas si c'est ouvert. C'est ouvert, moi? Du coup, je vais attendre là, il n'y a personne. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Je vais vous prendre un menu best of 6 nuggets potatoes, un petit wrap et un McFlurry KitKat. Ça va vous faire un total de 14,90€ avec vos biches. À tout de suite. Merci. C'est de plus en plus cher, McDo. J'ai l'impression de manger à un restaurant étoilé. Hein. Ça, limite, c'est le prix des pâtisseries grôlées, quoi. Je parle un peu fort. Excusez-moi. J'ai en train de critiquer McDo. Ils vont me jeter des sauces crémie de luxe dans la gueule. Je vais moins faire la maline. Pardon, c'est vrai que j'oublie qu'on me voit. Ça va arriver, vous êtes le premier, alors voilà. Ah, je me doute. À 11h, manger des nuggets, il peut y avoir que moi. Non. Qu'est-ce que je dis 11h hein? 10h même. Le chef qui se souvient de la quoi des nuggets à 10h, mais qui me même faire chier avec des nuggets. En plus, elle doit se dire, la dame, que je parle tout seul. Oh, si tu savais. Pas besoin de parler à ma caméra, je parle déjà avec toutes les personnes qui sont dans ma tête. Hein. Je vous dis à tout à l'heure à la maison parce que hein, je perds déjà assez de points. Vous avez vu la vidéo du 12 février où j'ai perdu quand même 4 points avec Oséfric. Je vous mets juste là la vidéo. Franchement, une glace le matin, ça donne pas du tout envie. Par contre, là où j'ai envie de vous dire ce qui est bien, c'est que généralement, moi, quand je mange McDo, je mets la glace au congélateur, tu la ressors, elle est toute dure, vous savez, c'est dégueulasse. Là, au moins, elle est bonne. Par contre, je me gèle déjà les castagnettes, alors ça me les gèle encore plus. Hein. Après, c'est bon, mais enfin, mon ventre, il comprend pas trop. Quoi. Je dis, mais pourquoi tu m'infliges ça? Ça va être une journée compliquée quand même. Parce qu'après ça, je vais aller me doucher après avoir mangé. Et après, je vais faire du sport et je vais puer. Enfin, il n'y a rien qui va. C'est quand que j'enlève ce pyjama, là, d'ailleurs? Parce que là, ça commence à faire long quand même. Le pyjama, je l'enlève. Après, là, quand je vais à la douche, je m'enlève mon pyjama et je me mets en tenue de sport. C'est compliqué, j'arrive même pas à comprendre ma propre vidéo. C'est ça qui est triste. Hier, il y a eu le Super Bowl. Rihanna, elle a chanté. J'ai pas vu, faut que je regarde ça tout à l'heure. Tout le monde pensait qu'elle allait annoncer sa tournée. Elle a juste annoncé qu'elle était enceinte. Tout le monde est dégoûté sur Twitter. Ils étaient tous là, ouais, Rihanna, tournée, Rihanna, elle va faire une tournée. Elle a juste fait ça. Oh, je suis enceinte, les gars. Moi, j'aime beaucoup Rihanna, mais au bout d'un moment, je sais même plus qui elle est à la base, tellement que ça fait tellement longtemps. Ah, bah, je vais vous dire, mais pourquoi t'as pris de l'eau, d'ailleurs? J'ai pris de l'eau parce que je fais
fais attention à ma ligne. J'essaie de devenir un fit boy. Alors, des potatoes, des nuggets, un petit wrap. Ah, j'ai que deux sauces. Mais moi, il me faut une sauce pour deux nuggets. Oh, dis-moi que j'en ai au frigo. Oh, ah, dis-moi, parce que là, je fais attention à ma ligne, mais il faut pas décoller. Oui, j'en ai. Elles sont périmées ou pas? Bah, c'est pas grave, au pire, j'aurai la chiasse. Hein. Une petite collante, ça a jamais fait de mal à personne. C'est chaud? Pas vraiment. T'as mal au micro. Pendant que ça chauffe, faut que je vous avoue un truc. Hein. Alors la glace, j'ai du mal à 10h du matin, mais le reste, pas du tout. Hein. Là, franchement, je vais pas vous faire... Oh là là, je mange des nuggets. C'est pas pour 10h, j'aurais préféré manger des Kellogg's. Pas du tout. Alors là, je suis heureux. Franchement, si je pouvais commencer tous mes jours à manger des nuggets... Ah ouais. Alors là, bah, le petit wrap, ils me l'ont ouvert. Il est même pas fermé, le petit wrap. On me chie à la gueule, là. Alors moi, je fais un truc que personne ne fait. Mais alors, attendez. Déjà, je lâche un croc. Bon. Et puis après... Oh ! Voilà. C'est délicieux. Mmh. Je comprends pas, là. Si là, je mange à 10h, à midi, je mange quoi ? Je mange rien à midi. Et après, je mange à quelle heure ? Ouais, bah, le petit wrap, je suis un peu déçu, hein. Il était pas tant ça, ça. Ah, les nuggets ! Oui ! Regardez comment je trempe, moi, c'est comme ça, les nuggets. Voilà. En fait, c'est... Je mange pas la nugget, je mange la crème de luxe avec de la nugget. Et pas je mange une nugget avec du crème de luxe, vous voyez ? Parce qu'il y a plus de crème que de nuggets. Voilà, elles sont bonnes. C'est indétrônable. Les nuggets du McDo sont indétrônables. Je mange des potatoes parce qu'apparemment c'est moins calorique que les frites. Mais attends, mais je vais vomir si je fais du sport juste après là. Ça n'a ni queue ni tête. Parce que hier soir j'ai fait ma corde à sauter, j'ai été à la douche et j'ai mangé. Là, je vais manger, me doucher et faire la corde à sauter. Je vais vomir là. Quelle couleur cette potatoes, elle est verte. Elle est pourrie ou quoi? Je la mange quand même. Hein. Oh, mais il n'y a pas une vidéo YouTube où je rate pas. C'est hallucinant quand même. Je suis ni mon McDo. On se rejoint pour la douche. Enfin, là, on se rejoint pas quand même. Je me vois dans le reflet du miroir, là. Franchement, je suis beau gosse. Hein. Ouh. Je suis pas là pour trier les lentilles. Hein. Bon, je vais à la douche. Ensuite, on fait du sport. Ensuite, on pue du cul toute la journée. Là, j'ai envie de me brosser les chicots. J'ai les dents dégueulasses. Et du coup, je dois pas me brosser les dents. Bon, allez. Commencez par me déshabiller. Bah je rigole, vous pensez que j'allais me déshabiller devant vous? Je peux quand même aller à la douche tout seul, hein. On se revoit après, faites-moi confiance, hein. Oh là là, ils ont cru que j'allais... Eh, je peux ouvrir un OnlyFans, hein. Ça rapporte combien OnlyFans? C'est jamais, hein. Et voilà, je sors de la douche, je suis trop propre. Et du coup, je me suis dit, après une douche, pourquoi pas faire du sport en ayant dans le bide un petit wrap, 6 nuggets et un McFlurry. Ça va être super. Je pense que là, ça va être une bonne séance. Je fais à peu près 4000-5000 sauts de corde à sauter. Oui, regardez-moi ces mollets. Wow. Oui, on peut dire ça. Je monte pas plus haut parce que je suis pas épilée. J'ai le maillot d'une portugaise, donc... Je sais pas pourquoi j'ai fait un tour, mais je voulais que vous appréciez mon body. C'est une corde à sauter sans corde. Alors je sais, il y en a qui me disent, mais t'es con ou quoi? Non, je suis pas con. Au moins, je m'entrave pas. Parce que la dernière fois, j'ai failli finir la tête au sol et j'ai failli finir tétraplégique. Une autre fois, j'ai failli assommer un méchant qui passait derrière avec la corde. Là, au moins, je fais pas de bruit et voilà. Et je fais ce que je veux, hein. Un, deux, trois. Ah oui, je suis en tenue de sport, comme vous pouvez voir. Un passivo Santa Maria. Là, j'ai même pas fait 100 sauts. J'ai déjà du mal. J'ai déjà chaud parce que je sens la graisse de la bouffe qui sort de partout. De tous les ports, ah, je vais jamais réussir à faire 4 à 5 000 sauts. J'ai le ventre qui bouge, qui j'ai envie de. Ça, c'est pas bon, hein. Bon, déjà, je peux fermer ma gueule déjà. T'as pété, pam pam, mais non, mais tu pètes à mes pieds, hein. Ça se fait pas, ça. Je vais vomir. J'ai les rots qui montent là. Tu veux sauter, toi aussi? Allez, saute. Toi, le seul saut que tu sais faire, c'est monter sur le canapé. J'ai des morpions zizi ou quoi, ça me gratte? Pardon, excusez-moi. Ah non, mais là, c'est trop compliqué après manger. Les gens qui font du sport après manger, je sais pas comment ils font. Hein. Allez, encore 40 et on aura fait 500. On accélère. Bon, 500 sauts. Allez, on y va. On parle plus, on ferme sa gueule. Je vais mettre de la musique, là. Je vais demander à Siri de mettre des musiques de Rihanna. Bon, je mange, aïe, pardon. Attendez. Pause, Rihanna, pause. Fermez les yeux. Fermez-les, je vous dis quand vous les ouvrez. J'arrive, donc n'ouvrez pas les yeux. Attendez, hein. Ouvrez. Emla, hella, and my umbrella. Enfin, ceux qui parlent pas anglais doivent pas comprendre. Umbrella, ça veut dire parapluie. When the sun shine and shine together. Oh, on a fait 1000. Ouais. Hella, hey. Je suis de l'arrêt. Mais comme j'ai encore du gel douche, ça fait des bulles, je sens. Bref, j'ai des points de côté partout, même dans le fessier. I don't wanna do this anymore. Where have you been? Fini. 3000 sauts, 311 calories. Regardez ça. Je
fais une pause. Je vais pas à la douche, hein, vous inquiétez pas. J'ai bien compris que j'avais pas le droit. Ah, je suis de partout, putain. Je me sens crado, là. Mes cheveux, ils sont en train de sécher de sueur, s'il vous plaît. On dirait de la laque de sueur. Je peux pas aller à la douche, je peux pas tricher. Non, allez, ferme ta gueule. Ça, je suis même des sourcils. C'est pas possible de suer partout comme ça. Non, mais là, y a rien qui va. Là, on est en plein après-midi. Là, je suis juste censée gérer mes mails, répondre à mon agence. Et en fait, ce que je fais, c'est des Lego. Ce que j'ai fait hier soir avant d'aller faire du sport. Parce qu'en fait, j'ai fait un TikTok dessus. Je m'en sors pas en plus. Il est... Aïe, aïe, je suis en train de tout casser. Il est interminable, Lego Poudlard. J'ai fait une partie. Je sais même pas si elle rentre dans le cadre. Là, je suis en train de faire cette deuxième partie. J'ai encore 37 sachets de Lego. On est reparti. 32. Voilà, je dis le nombre de sachets où j'en suis sur TikTok. Et après, je montre ce que j'ai avancé petit à petit. Bon, c'est pas bien compliqué à faire comme TikTok. Mais c'est juste que là, là normalement, je fais ça vers 18h. Je me pose. Je fais ça une petite heure. Là, là je fais ça. Ça en est en plein après-midi. Il n'y a plus rien qui va là. Bon, on s'active. Tellement, il y a tellement de miettes là, de tout petit, ça. Et qu'est-ce que j'en fais? Faut être patient. Faut avoir beaucoup, beaucoup de patience. Et moi, j'ai pas beaucoup, beaucoup de patience. Mais ça me détend. Quand je suis énervée, vous voyez, des moments, en ce moment, je suis un peu sur les rotules. Et ben, ça me calme. Tu vois, j'arrive, je m'énerve, Et puis en fait, je me dis, allez, fais-toi des Legos. Et je deviens calme. Des fois, je me trompe, donc je suis obligée de tout démonter. Je casse tout, je m'énerve. Hein, ça m'arrive, je suis la putain de cloche de merde. Mais c'est pas grave, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Ah, il y a une erreur, j'ai fait une erreur. Ah non. Ah mais oui, c'est le chemin, vous savez, il y a Neuville qui est dans le dernier qui fait et il passe pas et après ils arrivent et après ils se mettent à courir, il fait tout péter. Là, maintenant, je vais faire un TikTok sur une machine à barbe à papa. Vraiment, j'ai une vie, je me dis mais qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui au travail? J'ai fait une machine à barbe à papa et j'ai construit des Lego Poudlard. Voilà. Oh, c'est quoi cette ombre? Regardez l'ombre, hein. On dirait E.T. Ça me fait flipper. Vas-y, va attaquer. C'est quoi qui fait cette ombre? Comprends pas. Ah! Et il y a un fantôme ou je sais pas quoi. Il y a un truc à la maison, là. C'est hyper étrange. Hein. Ah, c'est là. C'est le parasol. Oh putain, j'ai eu peur. Je me suis dit, ça y est, des fantômes. J'ai un cimetière pas loin. Hein. Bon, maintenant, je suis à l'ordi. Là, j'ai mes mails. Là, je vais devoir aller aussi manger le midi, là. Là, c'est le repas du midi. Mais j'ai pas envie de manger des... Qu'est-ce que j'ai mangé hier midi? De la mozza avec des... Mais j'ai pas envie de manger ça, là. J'ai pas envie de bouffer. J'ai mangé un McDo en déjeunant. Oh là là, tous les mails que j'ai à gérer. Oh, j'ai un mail pour un truc de sextoy. Ah, ça, c'est intéressant, ça. On est mieux servi que par soi-même. Coquine. Bon, je gère les mails et tout, et après, on va aller manger le repas du midi. C'est toujours intéressant de se brosser les chicots avant dodo. Avant de... Ah, je sais même plus. Je sais même plus, je dis avant dodo. Je sais même plus la journée que je passe là. Non, de me brosser les dents avant de manger le repas du midi. Oh. Et je me dis, t'imagines, on passerait nos vies à faire tout à l'envers. Mais quand même, c'est... Je me suis étouffé en parlant, mais en même temps, on parle pas la bouche pleine. Ah, j'ai vraiment vu la mort là, par contre. Mes parents, ils m'ont toujours dit, tu parles pas la bouche pleine, tu touches avec tes yeux. Et une fois, j'ai fait ça à mon père, on était dans un magasin, il m'a dit, James, tu touches avec tes yeux, tu touches pas avec tes mains, d'accord? Ça se fait pas. Et j'avais fait ça, je l'ai regardé, j'ai fait, d'accord. Et je faisais ça, il m'a regardé comme ça. Et là, j'ai fait ça. Je rigolais. Et j'ai plus jamais refait cette blague. Bon, là, il est 16h. C'est le moment de manger le repas du midi. Ça n'a ni queue ni tête. Le midi, moi, je mange pas trop. Je mange juste une tomate et une mozza, généralement. Oh, mais ça veut dire, moi, par contre, le soir, je mange comme un porc. Et ça veut dire que là, je vais juste déjeuner ce soir. Oh, bonne mère. Mais c'est nul, en fait. En plus, je déjeune juste un lait au chocolat. Mais je vais avoir grave faim ce soir, du coup. Non, mais vraiment, l'hiver, c'est quelque chose. Vous vous rendez compte? Il est 16h, il fait nuit déjà. C'est triste. Ah ouais, l'hiver, franchement, moi, ça me plombe le moral. Ma petite tomate, Mais pourquoi j'ai sorti deux fourchettes? Je suis con ou quoi, moi? J'ai mis le sachet de la mozza dans l'assiette. Oh là là, ça se trouve, il y a plein de gens qui l'ont touché dans le magasin. Je vais tomber malade. Ceux qui me suivent depuis 3-4 ans, je vais vous dire, mais il en a fait quand même du chemin. Il y a 4 ans, quand j'étais dans mon studio, il y a même 3 ans encore, il y en a, vous allez être choqués, hein, je me faisais des pâtes au Babybel. Ouais, je faisais cuire des pâtes,
du Babybel et je mangeais ça. Ou des fois, c'était riz, Babybel, chorizo avec des croutons de pain. Le pire que j'ai pu faire. Oh, non, ça, je sais pas si je le dis. Je pense que les gens ils vont me juger. Ils vont me dire non, mais là, Nolito, comment ça se fait que ton estomac, il est pas mort, quoi. En fait, quand j'étais petit, même mon père, il me regardait, il disait, mais qu'est-ce qu'il fait, mon fils, là? Mais j'ai créé quoi? Un monstre ou quoi, là? Je faisais de la purée. Enfin, c'était mon père qui faisait la purée. Et en fait, il était à côté de moi, il me voyait mettre plein d'ingrédients. Il disait, mais il fait quoi? Il nous fait une bouillabaisse, lui, ou quoi? En fait, je mettais dedans du poisson pané que je découpais. Bien entendu, il était cuit, hein, pas être con. Je mettais des croûtons de pain, de la mayo, je mettais du ketchup et je mettais de la moutarde. Et je mélangeais tout ça. La purée, je peux même pas vous dire la couleur qu'elle avait, elle faisait peur, la purée. Genre, tu sentais que tous les ingrédients, ils étaient morts à l'intérieur. La soupline, elle était là. C'est soupline ou mousseline? C'est mousseline, hein. La mousseline, tu voyais ça, tu te disais, mais il y a quelqu'un qui a vomi, c'est pas possible. Hein. Mais c'était succulent, c'était trop bon. Ben, vous savez quoi, j'ai envie de m'en refaire. Ça a pas un peu tourné? J'ai un goût bizarre. En plus, je me suis broché les chicots avant, c'est trop bizarre. Ah, mais c'est ça! C'est pour ça que j'ai un goût bizarre dans la bouche, que j'ai l'impression de que elle est bizarre, la mozza. C'est parce que je me suis brossé les chicots avant. Mais c'est pas l'heure de vous donner à manger encore, hein. Toi, t'es en train de tricher, tu me vois manger, tu te dis, ah, c'est l'heure du dîner. Non, non, non. La journée inversée, c'est que pour moi, hein, pas pour vous, hein. Je peux vous dire à l'œil nu et au goût que là, c'est une mozzarella à la vache. C'est pas une vraie mozza. La vraie mozza, c'est à la bouffala. Dis bouffala. Je suis sûre, c'est deux vaches. Hein. Les deux vaches, voilà. Et j'ai fini. Un petit yaourt pour la haute. J'en ai plein les dents. Ils me disent que je vais pas me brosser les chicots, là. Oh, mais je vais pas me brosser les chicots jusqu'à demain matin, là, du coup. Parce que là, bon, là, tout à l'heure, je me suis brossé les dents avant de manger le repas du soir ce matin. Mais je me suis brossé avant, mais pas... Oh là là. Ah ouais. Eh ben, c'était succulent. Un goûter de qualité, du coup. Un midi goûter. On est bien. Là, il est 19h30. Je suis en train de gérer déjà le placement, je suis en train de faire les montages typologiques que je vous mets dans la vidéo. C'est vraiment, tout est décalé là. Je fais ça en même temps, je réponds à des mails, je réponds on les appelle les talent managers, les personnes de mon agence qui m'aident à trouver des partenariats, qui m'aident dans plein de choses. Mais le problème, c'est qu'ils sont 19h30, ils sont chez eux, enfin, ils sont au repos, enfin, c'est normal. Il y a certaines choses qui sont au garde à vous à 19h30, mais pas le travail, coquino. Du coup, en fait, je réponds à tout le monde, mais j'ai l'impression d'être en décalage horaire parce que personne ne peut me répondre, enfin, je comprends quoi. Moi, à 19h30, j'ai rien à foutre là devant l'écran, hein. Session ménage. Ce que j'ai fait hier matin, c'est que déjà je me trompe. Là, je dois laver avant de passer l'aspirateur. Oh là 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 là. Parce que hier, j'ai lavé le salon. Parce que le salon, il faut que je le passe tous les jours avec les animaux. Il me dégueulasse tout. Oui, Serge, tu dégueulasses. Tu viens de manger. Pourquoi tu pleures là? Ce chat, je vous jure, il croit trop que je suis sénile. Il se dit, lui, je peux miauler une seconde fois. Il va me redonner à bouffer. Genre comme si j'avais oublié. Et il attend. Il vient d'avoir sa bouffe, hein. Qu'est-ce que t'attends devant le garage? Tu vas pas manger une seconde fois, Serge? Et il a vraiment cru que j'avais le cerveau qui déraillait pour lui resservir ou quoi? Alors là, du coup, je vais passer le lavage. Non, mais là, s'il vous plaît, il est quelle heure? Il est 20h. Je vais faire le ménage à 20h. Oh yo, bonne mère. Viens, ma chérie, on va parler sérieusement. Viens. Quand j'astique comme ça le sol, vous voyez là, les deux là. Je suis tout le temps comme ça. Je vais vous dire qu'est-ce qu'il fait. Il est en train de nettoyer. On a sali à faire des allers-retours. J'ai l'impression que vous en battez les couilles. Je sais pas, vous pourriez vous dire, bon, on va se nettoyer les pattes avant de rentrer. Le pauvre et tout. Non, non, vous me voyez, vous me regardez. Et puis vous me laissez faire. Je suis un peu Cendrillon, sauf qu'il n'y a pas de prince charmant qui vient m'aider. 20h et je passe à 20h. Je sais pas, on regarde le journal, hein. Et on a parlé mauvaises nouvelles. Donc oui, je préfère faire le ménage que regarder le journal. Puis je pue, je prends pas la douche qu'à demain. Ça pue là, hein. Et moi, les journées 24 heures, les journées, mes meilleurs amis décident de ma journée, tous ces trucs, c'est pourri, ça me fout le cafard, ça me coupe carrément la blatte, j'en mets plein le cul. Le lavage est fait, maintenant on aspire. Cette histoire n'a ni queue ni cul. Oui, je sais, Serge, oui. Moi aussi, ça me fait peur, cette vie. Ensuite, avant de te promener, j'ai aéré 5 minutes. Je me souviens. Donc, faut que j'a... Mais je vais aérer la maison, là, maintenant. Mais genre, on est le soir. Je vais pas aérer le soir. Enfin, c'est complètement... T'imagines si j'aère là, pam. Ah! Ah! On nous vole! Ta gueule! Putain, mais oui, mais ça, c'est moi, j'oublie. Moi, j'avais mis l'alarme. En fait, j'ai mis des horaires. Au moins, j'oublie pas. Les alarmes s'enclenchent. Quand il fait nuit, je ferme les stores, je ferme les portes. Les alarmes s'enclenchent. J'ai oublié que j'allais ouvrir une porte ce soir pour aérer, qui aère à 21h. Je vais me geler les couilles dans la chambre si j'ouvre là. Oh, ta mère. Va faire froid, hein. On va se geler les nids de coucou, hein, cette nuit, hein. Oh, la frayeur. J'ai cru qu'on me volait, là. Bon, ben, c'est l'heure d'aller promener, mademoiselle Pamela, hein. Il est à peu près 21h30, non?
Il fait nuit, donc je pense qu'on va se taper des petites frayeurs, mais enfin, qu'est-ce que je vous dise. On va aller promener Pamela qui attend ça depuis ce matin. Elle, du coup, elle comprend pas pourquoi on est en inversé. Elle est surexcitée d'aller se promener, mais pas moi. Moi, je suis pas surexcitée. J'ai pas triché, je tiens à vous dire. Il y a le t-shirt puant de sport là. Sous le pantalon, il y a toujours le short puant. Voilà, j'ai pas triché. C'est juste que je tiens pas à sortir non plus en slip dehors et choper une pneumonie. C'est pas non plus le but. Hey, tu attends, ça va pas ou quoi? C'est pas les voitures qui me font peur, hein, c'est les chasseurs. Non, les chasseurs, tu le savais, c'est comme la vignasse. Hein. À toute heure, ils boivent, à toute heure, ils tirent. Je l'ai jamais sorti à cette heure-là, ça me bat les reins. Elle trouve ça totalement normal. Allez, viens, ma petite Luciole. Il n'y a pas de lumière. Oh là là, c'est même pas éclairé. T'es où? Ah oui. Tu fais peur à voir, hein? Non, viens, on va aller de l'autre côté. Il y a un monstre là-bas. Fais peur. Bah, t'as un œil jaune et un œil rouge, c'est normal, ça? Oh putain, tu me fais flipper, Pamela. Moi, je rentre. Moi, je... Oh putain, c'était mon ombre. Oh non, je rentre. Je viens de me faire peur parce qu'il y a mon ombre qui me courait après. Qui c'est qui a peur de son ombre? Ah vraiment, c'est lente. Faut quand même que je vous avoue quelque chose. J'ai tellement eu peur qu'en fait, je voulais osais pas vous le dire, mais je suis en train de me promener dans mon jardin. Voilà. Je suis dans le jardin et je promène Pamela en marchant avec elle. Voilà. Je fais le tour de ma maison. Elle comprend pas. Elle se dit, mais qu'est-ce qu'il fait, cet abruti? Aïe! Ah! Ah, je me suis pris le transat. Ah, c'est bon, moi j'en ai marre. On rentre, Pamela, on rentre là. C'est bon, moi j'en ai ras le cul. Ah, mais c'est fermé. C'est quoi ce bruit? Oula, il y a un truc qui se fait égorger là. Viens, on rentre. On rentre, il y a des tarés, tu sais. Sortez pas les chats, hein. Fais peur d'eau. J'arrive plus à parler. Là, il faut que je crois, je dois déjeuner, je sais plus. Bon, ben il est 23h. Et 23h, putain. Il est 22h. Parce que moi, vous savez, je me couche tôt. Je suis éclatée très vite. La vie m'éclate très vite. Il est 22h et là, il est temps de déjeuner. En plus, en ce moment, je bois pas que du lait au chocolat. Je me fais un lait, juste du lait, avec des muesli. Genre ça. Mais j'ai pas du tout envie de manger des Kellogg's, là. Là, j'ai envie de manger un vrai repas, maintenant. Ah, merde! J'ai mis le lait avant les céréales. Il va y avoir encore un débat dans les commentaires. Oui, t'as pas mis le céréale avant le lait! C'est pas bien! T'es vraiment taré, toi! T'es un fifou! Bah, désolé, moi, je mets le lait et ensuite les céréales. Ouais. Ça n'empêche pas que j'en mets beaucoup, mais j'ai pas faim. Hein. Comment tu veux que je m'endorme après ce soir? Je vais jamais m'endormir, là. Mon corps, là, il se réveille, là, il se dit, ouais, let's go! C'est parti, mon zizi! C'est quoi? C'est du chocolat, ça? Nope. Oh non, j'ai pris ça au raisin sec, là, je me suis trompée. Ah, il y a que du maïs, du blé et tout, là. J'ai grave l'impression d'être un piaf. Hein. Je vais péter, il va y avoir des pétales d'avoine qui vont sortir de mon cul, oh non. Là, c'est là où j'aurais bien mangé mon McDo. Là, tu vois, j'aurais bien mangé des petites nuggets. Bah, c'était bon. Et là, maintenant, on va aller dodo. En fait, cette journée, elle a été inutile. Ouais. Oh, mais je peux même pas mettre de film. Là, je me suis dit, ouais, je vais aller dodo, mais je vais mettre un petit film. Mais non, parce que je regarde le matin, quand je me lève, il n'y a pas de film. Oh, la merde. Oh non, mais là, les gars, on va se coucher sans rien. On va dormir et voilà. J'éteins la lumière et en plus, je dors en puant. Pendant que je mets ma crème du matin hydratante, je voulais vous rappeler que en cliquant sur un de mes liens en barre d'infos, dès 45€ d'achat, vous avez automatiquement mis dans votre panier la crème hydratante corps à 10 ingrédients. Voilà, elle est offerte. Donc, profitez-en. Wouh! On est prêt pour entamer la journée. Oh, comment tu veux que je m'endorme? Je suis sûr excité, putain de merde. Ah, j'avais oublié d'enlever des aérés, là. Voilà. Allez, au dodo! Ah, mais je vais vomir, j'ai le ventre plein. Mais comment tu veux que je m'endorme? Moi, je peux pas m'endormir sans rien, là. En plus, il fait froid. Bon, bah, écoutez, je suis en train de réfléchir au sens de ma vie. Et je me dis, là, j'aime, tes draps sont propres. Et tu es tout suant dans ton lit. T'as le ventre plein, comment tu veux t'endormir? Je vais essayer, mais... Bah, bonne nuit tout le monde, alors. Ça fait une heure, là. En fait, je dors pas, hein. Bon, là, par contre, j'ai commencé à digérer, ça va. Mais du coup, je suis comme ça, en train de compter les moutons. Je suis là, un mouton, deux moutons. Je voulais vous dire, j'espère que... Ben voilà, c'est la 200e vidéo. Et du coup, avec mon monteur, on a voulu marquer le coup. Et changer... Alors, garder toujours le même son du générique, parce que je sais que ce générique, il vous plaît beaucoup. Mais on avait envie de changer un peu d'image, vu qu'il y a eu quand même 200 vidéos. Il y a eu quand même énormément de choses qui sont passées depuis... 3-4 ans que je suis sur YouTube. Et je trouvais ça bien de mettre plein d'extraits de mes vidéos les plus marquantes. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi ce que vous avez pensé en commentaire. Je vous dis à la semaine prochaine, mes gousses d'ail. Bisous. Alors là, t'as mes réseaux sociaux au milieu. Instagram, TikTok et Snap. Pardon. À droite, t'as les vidéos qui plaisent. Des vidéos, enfin bref, tout ça, t'as compris de ma chaîne. Ah, sur ma tête. Appuie sur ma tête. Tu peux t'abonner. C'est super, ça. Je suis un véritable YouTuber maintenant. Attention, hein, ça rigole plus.